Salut à tous, c'est Eric Le Gaucher Galago Musique. Bienvenue sur ce premier tuto de la rentrée 2021-2022. Dans celui-ci, j'aimerais vous montrer une façon, hein, bien sûr, de jouer With or Without You, le célébrissime tube de U2 sorti en 1987 sur l'album The Joshua Tree. Et pour ça, je me suis laissé séduire par un arrangement proposé par le site Noviscore. Donc c'est la partoche de niveau 2 que je vais vous expliquer. Si celle-ci vous intéresse, vous la trouverez dans la boîte de description. Sachez qu'ils ont également une version de niveau 3 qui est assez géniale, mais qui me paraissait vraiment trop compliqué à vous expliquer. Ça aura fait une vidéo de 2h30. Mais néanmoins, si vous êtes curieux, curieuse, et que vous souhaitez que je vous en enregistre un cover, n'hésitez pas à me le dire. Je suis à fond piano en ce moment. À chaque fois, ça me fait plaisir. Allez, comme on a quand même beaucoup de boulot ici, je vous propose qu'on s'y mette tout de suite. Donc je pense que dans cette vidéo, on aura le temps de faire à la fois bon, l'intro évidemment en entier, ainsi que le premier couplet. Pour la suite, ça risque d'être un petit peu long. Donc, repérez avant toute chose ici le petit point bleu qui vous désigne où se trouve le do du milieu. Et pour les quatre premières mesures de cette intro, nous allons déjà commencer par la main droite. Alors, vous allez placer votre petit doigt sur le ré qui se trouve ici, donc une octave au-dessus hein, du do du milieu. Et ensuite, on va jouer le la avec l'index. Et voilà, j'ai envie de dire c'est fini, merci, à bientôt. Ah, faut que je vous explique plus. Bon, d'accord. Vous allez faire ceci. Ré, la, ré, la, ré, la. Voilà. Trop bien, non? Donc, vous faites pimpons comme ça. L'idée, bon, vraiment le mieux, c'est avec petit doigt et index. Petit doigt, c'est jamais évident, surtout si vous commencez un petit peu le piano. Vous pouvez, dans ce cas-là, éventuellement utiliser 4 pouces ou bien 3 pouces. Ça, c'est peut-être le mieux si jamais vous êtes débutant, le 3 et le pouce. Le 2 et le pouce, un peu à proscrire. J'ai peur que tous les profs du conservatoire me tombent sur le poil. Pour ma part, je prendrai petit doigt et 2. Ce sera plus simple quand on attaquera la mesure 5. Une fois que vous êtes bon sur le pimpon, à la main gauche, vous allez placer le pouce sur le ré, qui est vraiment un ton juste au-dessus du do du milieu. D'accord? Et donc pour ces 4 premières mesures de main gauche, vous allez faire ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Et vous faites ça 4 fois d'affilée. Donc une mesure de main droite donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tandis qu'une mesure de main gauche donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pour que ce soit tout de suite très joli, très efficace, vous allez appuyer avec votre pied droit sur la pédale de sustain, et vous la laisserez pour le moment enfoncée dans cette position. Donc on place les doigts là où il faut, le petit doigt, ou le 4, ou le 3, comme vous voulez, sur la note Ré, et pour ma part, l'index sur le La. Le pouce de main gauche jouera uniquement le Ré. Et vous allez faire ceci à 2 à l'heure, toujours avec le pied enfoncé, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous êtes bon là-dessus, vous êtes bon sur les 4 premières mesures, vous savez jouer l'intro. Pas le premier tiers de l'intro, pardon. Alors je vous le refais pour l'instant à ce tempo-là. L'idée après, ça va être de progressivement augmenter la vitesse jusqu'à arriver à 110 à la noire, qui est le tempo du morceau. Alors pour l'instant, je vous le refais sans contrainte, et après, on essaiera avec le métronome. Alors, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mesure 2. Ça a l'air de rien, mais c'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Donc là, ce qu'on joue, ce sont des croches. On va mettre maintenant donc une pulsation au métronome. On va mettre le tempo genre à 70. Alors, je prends mon téléphone. Voilà, je suis sur une appli qui s'appelle Métronome. C'est gratos, c'est très bien. Alors, je lance mon histoire. Voilà, j'espère que vous l'entendez bien, que ça passe par le micro-cravate. Donc ça, on va considérer que ce sont des noirs. Chaque clic est une noire. Donc genre noir, 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 noir. Ok. Il nous faut 2 croches pour faire une noire. Donc on va rentrer 2 attaques dans chaque clic entendu. Est-ce que je suis clair? Donc pour être sûr que ça fonctionne, avant de le jouer, on va déjà le dire. Donc là, si ça c'est une noire, si je le dis noir, 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 bon, noir, noir, très chiant, noir. Ensuite, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches. Est-ce que vous dites là le 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches? C'est exactement le découpage qu'on va appliquer pour les deux mains. Je le fais maintenant en croche à la main gauche, comme c'est indiqué sur la partoche. 2, 3, 4. 2 croches, 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 2 croches. Voilà, là j'avais bien la pédale enfoncée. Si vous la mettez pas, ça va être un peu sec. Ça marche aussi, vous me direz.
Ok, dès que la main gauche vous l'avez par rapport à la pulsation, fait pareil à la main droite. Deux, croche, 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 deux, croche. Sans la pédale pour l'instant, avec la pédale. Deux, croche, deux, croche, deux, croche, deux, croche. Voilà, je pense que ça me décalait un peu moi quand je suis à ce tempo-là. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les mains ensemble. 3. Je passe un petit peu de temps là-dessus parce qu'il me semble que c'est important quand même que vous ayez une bonne méthodologie. Si vous faites bien comme ça, d'abord à 70, eh ben, il ne vous restera plus qu'à grimper les échelons. Donc imaginons qu'on fasse la même chose maintenant à 80. Alors il s'agit de bien écouter déjà ce que ça donne pour se faire un petit peu à la vitesse de 3, 4, 1, 2, 3. Ou bien si je le disais, 2, croche, 2, croche, 2, croche, 2, 2, croche, 2, croche, 2, croche, 2, croche, 2. Voilà, ça vous sert de garde-fou. Métronome. Voilà, et j'augmente encore un petit peu, genre à 90. Voilà. 2, croche, 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 2. Et le but final, c'est d'arriver donc à 110, qui est somme toute un peu rapide. Mais voilà, à chaque fois, quand il se démarre, lui, il speed à mort. 2, 3. Deux croches, 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 etc., etc. Donc là, on a vu les mesures 1 à 4. Je vous reprends la quatrième mesure et j'enchaîne sur ce qu'on va voir tout de suite. 3, 4, et... Ah oui, c'est trop stylé, je vous le concède. Alors, on va démarrer peut-être par la main droite. Ce coup-ci, au lieu de faire que ré, la, ré, la, que, pimpon, comme ça, on va rajouter ce qu'on appelle une voix, c'est-à-dire une mélodie intérieure, qui va se jouer sur le premier temps déjà. On va donc taper ré au petit doigt et fa dièse au pouce. D'accord? Donc, mesure 5, vous allez faire ceci. Je mets la pédale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc, la seule chose qui change, c'est qu'au lieu de taper que le ré tout seul sur le premier temps, on y ajoute le fa dièse. Cette voix, la voix intérieure, c'est justement cette note-là. 2, croche, 2, croche, 2, croche, 2, croche. Dès que vous avez fait ça, mesure 6, on va rejouer le ré comme d'habitude au petit doigt. Et ce coup-ci, le pouce ne sera plus sur un fa dièse, mais sur un mi. Et ça va donner ça. 2, croche, 2, croche, 2, croche, 2, croche. Ok ? Je vous fais les mesures 5 et 6. Donc fa dièse ré sur le premier temps et sur la mesure suivante, mi ré sur le premier temps. Mesure 5. 2, croche, 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 2, croche. La mesure suivante, vous refaites comme la mesure 5, c'est-à-dire fa dièse ré. 2, croche, 2, croche, 2. Et on terminera la séquence par ce coup-ci, le ré toujours au petit doigt, plus le sol ce coup-ci au pouce. D'accord ? Et là, vous allez faire donc sol ré. Et alterner avec le La puis le Ré. Ok ? Donc les premiers temps des mesures 5, 6, 7, 8 donnent donc Fa dièse Ré d'abord, mesure 6, Mi Ré, mesure suivante, je ne sais plus combien, mesure 7, Fa dièse Ré à nouveau, et la 8e mesure, Sol Ré. Et donc la mélodie, elle se crée par l'intermédiaire justement de ces notes intérieures. Ça fait Treasury. Maintenant, je joue tout normal. 5 à 8. Au niveau de la pédale, le top, c'est si vous arrivez à la changer après chaque premier temps. Dès que le premier temps est joué, le pied se soulève et appuie tout de suite. Ça fait vraiment un tuilage hyper efficace. Dans ce morceau-là, vous pouvez... Ça passe, c'est pas l'idéal, mais vous pouvez le faire. Conserver le pied enfoncé. Oui, oui. Tous les sons vont se mélanger et ça va rappeler un petit peu justement la sonorité de The Edge, le guitariste de U2, qui lui travaille beaucoup justement sur la projection, comment le son va se diffuser, tout ça, tout ça. Donc une fois que vous êtes bien à l'aise avec cette main droite, eh ben on voit ce qui se passe à la main gauche. La mesure 5, on va faire
que duré, ça sert là, mais on va changer de doigté en cours de route. Donc genre le ré, petit doigt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai démarré avec le petit doigt, je tape 4 croches, j'aurais pu en taper 5 ou 6 hein, d'ailleurs, mais disons 4 c'est bien, 1, 2, 3, 4, et après je rejoue ce ré, mais ce coup-ci avec le pouce. Donc faut pas que votre main aille dans tous les sens, elle se déplace vers la gauche, d'accord? On était là, hop, on le substitue par le pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi on fait ça? Bah parce que juste après, on aura besoin de la note là, dans la mesure 6. Et si on gardait le petit doigt, on serait obligé de tout déplacer et risquer de tomber à côté, ce serait un peu embêtant. Donc genre une dernière fois cette mesure, et puis on voit ce qui suit. Mesure 5 d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, le la avec le quatrième doigt. On fait 8 croches. 1, et on garde le même doigt. Mesure suivante, on va taper le si avec le troisième doigt, 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le sol, petit doigt, en guise de 8e mesure. Voilà. Ok, je vous refais les mesures 5 à 8. Main gauche et après on fait mains ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Cool. Vous vous souvenez de la main droite? Mesure 5 a donné ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, c'était mi ré. Après, on revenait sur fa dièse ré. Et ensuite, sol ré. Alright, on va le prendre pas vite. Et ça devrait très bien fonctionner. Alors, je me place. Fa dièse ré, main droite. Et petit doigt sur le ré. Je garde la pédale enfoncée tout le temps dans cette séquence, hein, comme ça, sinon ça fait trop de trucs à réfléchir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je refais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, je vais jouer la main gauche. Mi, ré, premier temps, main droite. 1, 2, 3. Et la magie opère tout de suite. 6, 7, 8. Après, à la main droite, on retrouvait fa dièse ré et c'était si à la main gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dernière mesure, sol ré avec sol main gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 6, 7, 8. 7, 8, 1, 2, 3. Une fois que vous êtes arrivé là, mesure 9, 10, 11, 12, eh ben on va rejouer quasiment pareil. En plus facile, étant donné qu'à la main gauche, on repartira directement sur 8 fois le ré, mais vous n'aurez plus besoin de passer par le changement de doigt, vous savez, le petit doigt au pouce là. Donc mesure 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesure 10, c'est comme la mesure 6. La suivante, pareil que mesure 7. Et la dernière mesure. Ce qui change, c'est qu'on tiendra enfoncé ce dernier sol. Au lieu de jouer 5, 6, 7, 8, on tapera le 5, 5, 6, 7, 8. Et on le tiendra enfoncé durant les 4 dernières croches. Donc juste cette dernière mesure. Et là, on a terminé l'intro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien super, donc maintenant je vous rejoue toute cette intro, pas vite, hein, toujours, et ensuite on entamera le tout début du couplet, à savoir les 8 premières mesures. 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deuxième mesure. Voilà, 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 troisième mesure. Voilà, ça va vous, sinon? Oui. Fait chaud pour la saison, non? Oui. 5, 6, 7, attention. 3, je change le pouce.
j'ai un peu accéléré parce que c'est trop tentant. Alors donc, couplet, on va déjà bosser les 4 premières mesures de main gauche, et après on verra ce qui se passe à la main droite. Donc, vous allez démarrer à la cave sur un ré. À la cave, donc c'est très grave. Enfin, il pourrait y avoir encore plus grave, mais c'est quand même pas mal. Là, c'est pareil. Pour l'instant, on va laisser le pied enfoncé sur chacune de ces mesures. Le top du top étant si possible de changer dès qu'on jouera le premier temps de la mesure d'après. Bref, pour l'instant, on garde le truc enfoncé. Donc, ré, la, ré, fa dièse. Ah, comment j'ai fait ça? Ré petit doigt, la avec le 2, ré pouce, et je vais passer mon index par-dessus pour taper le fa dièse rythmiquement. 1 et 2 et 3 et 4 et, d'accord, 3 et 4. Mesure suivante, on va faire la, mi, la. Donc, niveau des notes, c'est pas très compliqué. C'est la, donc on est au-dessus du ré de tout à l'heure, la, mi, et ensuite la au pouce, d'accord? Rythmiquement, on va faire ça, par contre, ce truc-là, il faut faire gaffe, on va faire 1, et, 2, et, 3, et, 4, et, je vous le refais, on peut compter à la croche, c'est-à-dire on peut compter jusqu'à 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est peut-être pas mal de le compter comme ça, finalement, parce que comme les mains ne sont pas toujours ensemble, ça pourra vous servir de bon point de repère. Je vous refais ces deux premières mesures, en comptant jusqu'à 8 à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesures suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La mesure d'après, la troisième mesure du couplet, on va faire si, fa dièse et la, au niveau du timing, au niveau des temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok ? Je vous refais ces trois premières mesures et on enquille sur la quatrième. On aura quasiment fini. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesure 3. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est très long, c'est comme ça. Et pour terminer, sol, ré et sol au pouce. D'accord ? C'est à peu près le même écart que ce qu'on avait dans la mesure 2. Dans la mesure 2, on avait la, mi, puis un la. Et bien ce coup-ci, sol, ré, puis un sol. Rythmiquement, c'est pareil. Donc la quatrième mesure de ce couplet, si on le compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vous refais ces quatre là, on voit la main droite et ça commencera vraiment à ressembler à quelque chose de sympa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis sol, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui est trop bien, c'est que dans les 4 mesures qui suivront, on rejouera exactement la même chose. Wouh ! J'adore ! À la main droite, ça va donc donner ça. Je vous le joue une petite fois déjà à tempo. 1. Bon. Alors, fa dièse ré. Et vous comptez jusqu'à 4. 1, 2, 3. 4. Après, sur le 5, vous ne ferez rien, ça vous laissera le temps de vous déplacer. Et sur la 6e croche, vous rejouerez fa dièse avec le 4. 7e croche, fa dièse à nouveau. Et ré fa dièse sur la 8e croche pour terminer cette première mesure. Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ok ? Avec la main gauche pour que tout de suite ça donne quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ok ? Alors encore cette main droite, mesure 1 et 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Ré, mi, ré, fa dièse. Vous avez vu au niveau des notes ? Tin, 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 mi, ré, mi. Et ré fa dièse. Mains ensemble, pas vite. Mesure 1 et 2 de ce couplet.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. All right? Dernière fois depuis la mesure 2, la main gauche démarre toute seule. La, mi, mi, main droite. Ensuite, le la et le ré ensemble. Ré, mi, mm. Ré, fa dièse. La main gauche démarre ensuite sur sa mesure 3. Si, fa dièse, la, ré, main droite rejouera derrière. Ok, je vous rejoue tout ça. Et on arrive au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 et 2. D'accord? À la main droite, mesure 3, j'ai fait Ré, suivi de Fa dièse, avec le 4, Sol, petit doigt, et Ré, Fa dièse à nouveau. Je vous prends de la mesure 3, quand la main gauche joue Si, Fa dièse là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, et on terminera par Sol main gauche, Ré main droite, Ré, Mi, La, Ré. Et on redémarra exactement la même chose pour la main gauche. Génial! Je vous fais les mesures 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, et voilà. Il nous reste un tout petit truc à voir à la main droite, et vous savez faire déjà toute l'intro, et puis les couplets. Je vous rejoue ces quatre premières mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Alors à la main droite ici, mesure 5, Ré, 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 Mi, La. D'accord? Donc mesure 5 quand la main gauche démarre toute seule. 1, 2, 3, 4, 5. And I wait. La main gauche va redémarrer derrière sur le La, Mi, La. On rejouera tout de suite le Ré, Mi derrière à la main droite. Et on terminera par For you. Et la main gauche fera Si et Fa dièse. Ok? Mesure 5, 6. Et il n'en manque plus que une et demie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'ai tapé l'arrêt à la main droite, suivi de la tout seul. Et la huitième mesure et dernière mesure de ce couplet, on va faire juste le Si à la main droite, tandis que la main gauche joue le Sol. 1, 2, 3, 4. D'accord? Je retape l'arrêt juste à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est celle-là, la vraie dernière note. Et après, vous referez pareil. J'espère que ça va, je ne vous ai pas perdu. Alors, je vous rejoue juste les mesures 5 à 8, pas vite. C'est pas forcément facile à expliquer d'ailleurs. C'est pour ça que vous me direz si c'est efficace. Et donc, les mesures 5 à 8 et ensuite, tout le couplet d'affilée. Et on aura terminé pour aujourd'hui. Alors, mesure 5. Le Ré main gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc si on joue ouvre tempo, du coup,
pour ça que c'est important de bien le compter, parce que vous voyez, ça fonctionne que quand les croches tombent vraiment là où il faut, soit avec la main gauche, soit sur le temps, soit en contre-temps, tout ça, tout ça. Je vous refais tout le couplet, à tempo un tout petit peu plus rapide qu'avant, et puis ce sera bon. Fa dièse, ré, main droite, ré, main gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rendu ici à la 8e mesure. Au lieu de faire comme tout à l'heure le Fa dièse Ré ici, pour démarrer le couplet, vous le faites là, Fa dièse Ré. Et après, vous rejouez exactement pareil, c'est-à-dire... Et puis voilà. Donc le plus difficile là-dedans, évidemment, c'est d'arriver à obtenir le bon tempo et aussi de faire en sorte que vos attaques de main gauche, notamment dans l'intro, ne soient pas trop violentes. Donc pour ça, il ne faut pas le bosser trop rapidement. Si vous le bossez vite tout de suite, vous aurez tendance à vous raidire et ça va faire un truc un petit peu tonitruant, quoi. Ça va pas être génial, génial. Donc le vrai tempo final, je vous le rejoue juste un petit coup parce que c'est joli, j'aime bien. Et puis ça finira élégamment comme ça, cette vidéo. Ah, ça, ce tempo-là, je vous fais grâce des deux mesures qui resteraient à faire. Et on commence. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était suffisamment clair pour que vous arriviez à vous amuser avec ça. N'hésitez pas à laisser vos commentaires justement sur la qualité des explications. C'était bien, moyen, passionnément, à la folie, je ne sais pas. Dites-moi également si vous aimez bien mon nouveau matos. Le fait de pouvoir vous regarder en même temps que je vous donne les explications, ça évite peut-être d'avoir que des mains comme ça pendant 20 minutes qui vous causent. Voilà, donc tous vos retours seront les bienvenus. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit partage. Puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. À bientôt. Ciao.